Merci pour cet accueil chaleureux. Monsieur le préfet des Hauts-de-France, monsieur Bertrand Gaume, mesdames et messieurs les députés, madame le maire de Lille, ma chère Martine, monsieur le président de la région des Hauts-de-France, monsieur Xavier Bertrand, mon cher Xavier, monsieur le représentant, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, monsieur le rabbin des Hauts-de-France, mesdames et messieurs mes chers amis et mes chers enfants, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer Rosh Hashanah, le nouvel an juif, un moment de réflexion, de renouveau et surtout d'espérance. Et en ce jour, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, chez Chiyanu Vekiemanu Vegiyanu Lizmanazé, un jour de célébration, un jour dans lequel nous remercions Dieu de nous faire vivre cet instant. Cet instant dans lequel, ensemble, nous allons passer de 5784 à 5785. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre, à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux. Que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen.